Mbote zenu, mbote nange, moyo, kia mbote kenu, mbote na ba telespectateur banso ba Congo Live Television, ba kei na kulanda betu na Congo République démocratique du Congo, mbote na ba Congo mani nyoso, oyu ba kei kulanda betu na ngunga yai, na diaspora, tuzulo bela ba yeyu, baza na Paris, ba oyu baza na Belgique, ba oyu baza na Canada, ba oyo bazana Lumami Tikapa, ba oyo obazali na Kinshasa, Mwene Ditu, Lubumbashi Bisika, président de la République séjourne depuis lobby soir, toujours le bela ba oyo, toujours pesa bango mbote, ba oyo bazali na Tchopo, ba oyo bazali na Kwilu, Congo Central, pourquoi pas Kwango, ba oyo bazana Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, ba oyo bazali na Lomami, ba nyoso oyo bazali na République démocratique du Congo, tulobi mbote, mbote nange, mbote zeno. Na mukolo mwalelo, nazali Yusufu Kibingila à David Ndenge Boyebi, oyo azalaka toujours pour vous donner l'information en temps réel, l'information vérifiée, na lobi mbote na ba Congolais nyoso oyo bazalaka toutefois connecté sur Congo Live Télévision afin d'être informé sur la situation en République démocratique du Congo, mais également la situation oyo ezoleka dans l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on est jeudi 20 juin 2024 depuis l'Est de la République. Donc, toujours ça la rétro awa depuis les lundi Bitumba et Bandaki, début de cette semaine, il y a eu de rudes affrontements qui ont été signalés dans les territoires de Rutshuru, mais tout ça qui n'a pas été vérifié parce qu'on n'avait pas encore les éléments vérifiés. Le long jeudi, tu as décidé que tu as coupé Sabino Basango et Likambo Oezo le Kanakati à Rutshuru parce que, comme vous le savez, on est journaliste d'investigation, c'est-à-dire, Moussala Nabissou et Zaïko Kote la Namozindo pour connaître la vérité sur l'information. Bien que Boyo Kaka, il y a une information qui sort, qui commence à circuler sur les réseaux sociaux et Bandiko Tambo à l'internet, mais Okoya Goku Tabissou Tolo le Belangote parce qu'on prend aussi le temps. Il y a qu'à vérifier information. On prend aussi le temps, il y a qu'à côté la bas source na biso. On prend aussi le temps, il y a qu'à kende na terrain pour connaître la vraie vérité sur l'information au Ezoleka. Raison pour laquelle nous y sommes encore pour vous donner la vraie version sur tout ce qui se passe dans les territoires de Rutshuru. Il y a de rudes affrontements. Il y a les forces spéciales qui sont en train d'arriver dans les territoires de Rutshuru. Ba force spéciale ya ba RDF, ba force spéciale ya ba UPDF, ba force spéciale kobima na Kenya, bazali ebele, ba soda oyo bazoya dans les territoires de Rutshuru. Nini ezo salema? Ba force spéciale wana bazo sala nini? Nini ezo salema dans les territoires de Rutshuru? Déjà pour commencer, il faut dire ici que dans le territoire de Rutshuru, na katia territoire à Rutshuru, il y a eu des rudes affrontements hier. Lobby wana, mercredi, ba komba moko esalema ki a bien. Ba rebelle à M23 ba continue ko tente ko zoa cité rurale, ya Kanyaba, commune rurale, voulais-je dire, ya Kanyaba Yonga, mais ça ne tue pas. Ba zo tente jusqu'à présent, ça ne tue pas. Lobby y a eu de rudes affrontements. Wana eza na limite ya territoire ya Rutshuru, territoire ya Lubero. Ba affrontement ezalaki. Ba tu ebele ba kufaki. Beaucoup de gens ont perdu leur vie hier. Tukuye ba awa, banani ba kufaki ndenge nini. Y a eu même des snipers du côté ya ba M23. Des snipers RDF. Ya ba RDF o e baza ba snipers. Obayaka ki basi bazui ba formation ndenge na ndenge dans cette guerre. Ils ont été aussi neutralisés. Nous a fait l'armée congolaise. Alors, nous a fait savoir l'armée congolaise. Alors, Totanga moi et Longo, tout ce que nous avions noté, sur les affrontements qui se déroulent depuis le lundi dans les territoires de Rutshuru jusqu'hier. 6 civils ont été tués et 5 autres gravement blessés. Tel est le bilan d'une bombe larguée ce mercredi par les rebelles M23 à Boulotoa, non loin de la commune rurale de Kanyabayonga. C'est-à-dire, après ces rudes affrontements, lorsqu'ils ont vu qu'ils ont perdu beaucoup dans leur camp, ils ont perdu beaucoup de leur côté,
ils ont décidé de larguer de multiples bombes. Une fois encore, la tentative de M23 RDF a franchi la muraille mise en place à Kanyabayonga a été un échec total, affirme notre source locale. Les FARDC qui contrôlent toujours la cité de Kanyabayonga ont pourchassé les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda jusque dans le parc de Virunga, affirme les premières informations à notre possession. Ba FARDC, ba Pusaki, ba rebelle à M23, Kobima, les alentours ya Kanyabayonga jusque nakati ya parc national ya Virunga. Eza la distance est belée. Eko zanga taba 50 km te. Eza distance est moulaï. Oyo ba M23 bazalaki pour chasser. La position du M23 située à Bushikwa, à la limite du parc national de Virunga, serait passée sous contrôle des FARDC. Nous recoupons davantage pour plus de détails. Donc, tout est creusé. Mais d'après les premières informations, à la source, na biso sir, na katia région, biso ke position oyo ya M23 zali ko salela yango background basi ba récupérer yango epai ya ba FRDC. Position na bango ezalaki na Bushikwa. Eza na limite ya park basi ba récupérer yango ba FRDC. Ba récupérer ki yango na kati ya journée à lobby lors de ces affrontements. C'est-à-dire ba pousaki bango jusque dans park ya Virunga oyo bazo ki me la place basi bazui refuse. Odele ya kokimi sabango bisika basi bazui refuge. FRDC zwa ki makoki ya kozuwa oyo position bazala ki komi betela tolo. Une source militaire nous a affirmé que les FRDC sont mobilisés à défendre le territoire national et sans sirero à neutraliser même le dernier M23 s'ils ne veulent pas quitter le sol congolais. Wana Iza ba source militaire ezo sale la biso information wana. Donc yango wana bozo yo kalelo eki likambo ezo salema na kati ya République démocratique du Congo oyo to bandaki kolobela awa eke ba rebel di M23 lelo bazana ils sont aux abois. Comme je l'ai dit encore tantôt, une source militaire nous a affirmé que les FRDC sont mobilisés à défendre le territoire national et sa sirero à neutraliser même le dernier M23 s'ils ne veulent pas quitter le sol congolais. So bazo lingalelo te ko bima sur le sol congolais, on va se rassurer que tokimisi bango oyo M23 yasuka. On va se rassurer que batunyoso oyo bayaka ki na kati ya mboka na biso d'une manière agressive. Oyo bayaka ki pona ko agresser ba congolais. Oyo lelo bazali sur bazali base ya ba congolais ebele oyo basi ba kufa dans l'est du pays. Oyo bazali sur base ya ba M ya ba réfugiés ya ba déplacés, voulais je dire oyo nyoso bazo souffrir dans les camps de déplacés. On va se rassurer que bango nyoso tosuki na bango nyoso tosukani na bango nyoso tobumi bango nde tokozimi rassurer que wana tokomi bien. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas encore fini le dernier M23, aussi longtemps qu'ils ne veulent pas quitter le sol congolais, donc bakozwa toujours problème avec le FARDC. Voilà donc ce que nous a fait savoir une source militaire. Une confidence signale que le général-major Tiko Tshitambwe, commandant Front Nord, a rappelé aux militaires que la défense d'une nation se fait au prix du sang, tout en rassurant que le sang de M23 RDF coule et va couler à Kanyabayonga. Une confidence. Et tu vois, puis ça me souhaite que mon conseiller Koti Tambwe, où est le général, a guidé ba opération à Front Nord, ba Kanyabayonga, ba Rwindi, Kiulu, Kikuku, Bwalanda, ba nyoso, ba entité nyoso wana, oyo ba Front nyoso kuna basi ba zui. A ebisaki ba troupe oyo azana ngoke
ko libere mboka esale maka na priya makila ko libere mboka esale maka na talo ya makila makila ya ba M23 ezo tangisa pe eko tangisa soki bazo tiaka mobulu pe bazo linga ko bimate sur le sol congolais. De villages continuent à passer sous contrôle. Il y a ba FRDC parce que aujourd'hui il y a na batu o bazo loba bazo bisabiso ka FRDC zo bunda bazo bisabiso monter à puissance de FRDC bazo bisabiso ke FRDC ezo rassurer très bien. D'ici c'est ça ma mokonzi à défense Gika Bongo moi de vita a d'ailleurs déclaré que ba FRDC bazo mi comporter bien. Et tous ont estimé résultat escompté bisika bazali. Mais bazo zo ba village te, on est à likanisi, ya batu oyo baza sous informé. Parce que même na ba commentaire total ka batu oyo azo émettre idée au comprendre que mutu oyo aza informé te. Raison pour laquelle il faut toujours ko benga ka là où tu ne comprends pas obengi. Yango ti na to pesa ka numéro na suka ya manaka. Souka ya émission. Pour que là où vous comprendrez, te oko benga ba expliquer yo très bien. Les FRDC bazo continuent à récupérer ba village. N'est-ce pas que moi je ne suis pas ici? C'est pas que Nazawa pour faire ko dialelo ya FRDC. Mais tozo pe saka sango kolo ba eke. Les FRDC bazo rassire mikolo oyo. Le temps qu'il ne rassire pas, on le dénonçait ici. Que eza ba résultat wanande tozo ze la bisika bazalité. Et que aujourd'hui, l'ennemi se trouve coincé. Un certain temps, lorsque ba processus ya koloba makambo ya dialogue na Luanda, plusieurs Congolais estimaient que les Congolais n'étaient pas encore prêts ko kende ko sala dialogue parce que toza ki na état de faiblesse. Et puis, Zalaki a solo, c'était vrai qu'on ne devrait pas partir na Tourwana, na ba dialogue, parce que Zalaki na kati a faiblesse. Zalaki a kokendete, parce que Munguna Zalaki likolo na biso. Mais aujourd'hui, nous ne sommes même pas prêts à partir parce que il n'y a rien qu'il va nous dire. Aujourd'hui, c'est nous qui dominons l'ennemi sur le terrain. Aujourd'hui, c'est ba FRDC ne bazo dominer Munguna. Munguna aza coincé aujourd'hui, il ne sait plus comment s'en sortir. Ba plan nyoso oyazaki ko prévé, oyazaki ko kanela kia ko zuwa. Ba plan nyoso oyazaki nango, lelo esi ekweyi, eza na nzela te. Ba plan nyoso oyazaki ko yeba kia ko salela, asi ya sala yango mesimbi te. Aujourd'hui l'ennemi est coincé. Et aujourd'hui, ata tolobito kende, lelo tolobito kende na dialogue, biso, toza na puissance, likolo ya Munguna. Ba force spéciale oyo bazo tinda, bazo neutraliser yango comme pas possible. Maîtrisa cette rébellion, pour l'avoir fait, la guerre depuis Moutebouti, scène de paix, jusqu'à M23 bis de ce jour, le commandant Front Nord, Tshikoti Tambwe, a demandé aux militaires de rester en alerte maximale et s'assurer que Kanyabayonga soit la mer rouge pour ses rebelles, comme ce fut le cas pour Pharaon et ses troupes en Égypte, il a déclaré Tshikoti Tambwe. Motivation Oyo Apesaki Basoda, d'après une source Oyo Tikali, à confidence, azo motivé ba militaire koyebisa bango eke ils doivent se rassurer que Kanyabayonga wana etikali mer rouge pour les M23 comme ce fut le cas ya Pharaon na Egypte na Batunaye. C'est ça qu'ils doivent se rassurer. Que Munguna foule jamais ses pieds à Kanyabayonga. Il a échoué ici à Sake, à 27 km de la ville de Goma. A échoué qui? Il n'a pas réussi, il a échoué. L'ennemi. Jusqu'à présent, ça qui est sous contrôle des FARDC. Goma même. Ils ont voulu tenter cette aventure à Kanyabayonga, ça n'a pas tenu. Aujourd'hui,
À Rubaya, ce qu'ils demandent, c'est quoi les nouvelles de Rubaya? Ils sont à Rubaya. Mais ils ne sortent pas à Rubaya. Ils sont à Rubaya. Bah, oh, bah, zolo, bah, oh, minere, zoleka, minere, zoleka. Ils sont encerclés à Rubaya. Bazana nzela ya kobimelate. Naba entre na ba sorti na bango si kangami. Mais armée zo zela position et armée zo zela. Ezo tracé plat ya kobeta na parce que là où vous savez, là où il y a la majorité de la population, les affrontements ne se font pas à l'aveuglette. Les affrontements ne se font pas wangala wangala parce que bakobuma population ebele wana. Mais rassurez-vous que l'armée zo étudie ba tactique pour mettre fin à cette rébellion. L'armée a étudié la tactique d'après Bakonzi armée n'a pas besoin de s'abîmer. Bazo étudié la tactique boni basala pour que Bakoma Bunagana. Bunagana est un bon camogo munene. Pour récupérer un il faut une stratégie. Bakoko taka ko beta na masasi wangala wangala te pour parce qu'il y a une population qui est là. Si Bakote libongo c'est-à-dire Bako sacrifier pe ba population Bako kufa bongo. Et sengeli ba tactique, et sengeli ba méthode, et sengeli ba plat pour que ba mona boni ba ko libérer. Mais tout ce que l'armée fait savoir est que la population doit rester confiante envers elle et que d'ici peu, va bah, libérer Bango. Bazana bandeko oyo bazana katia bunagana balanda kabiso. Retenez une chose, l'armée congolaise ne vous a pas oublié. Et ça message ya bakonzi oyo armée bazoloba. Babo sani binote, mais bazota la boni ba ko libérer bino na maboko ya Corneille Nanga. Ba ko libérer bino na maboko ya ba impérialiste nyoswana. Bako libere bino na baboko ya batu oyo basi bazwi bino en otage et que voir boni la paix sera rétablie d'une manière durable. E bisika oyo nde tokokende kosukela manaka na biso ya lelo. L'armée congolaise a affirmé avoir tué des tireurs d'élite du M23 et détruit des gros véhicules de transport des troupes ennemies vers Kanyabayonga. Mais aussi, selon une dépêche de l'AFC, un mercenaire roumain et deux militaires congolais ont été tués et un casque bleu de l'ONU a été blessé au cours de trois événements séparés survenus samedi. Le ministre des Affaires étrangères de Roumanie a déclaré à l'AFP dimanche que la personne décédée et deux autres blessés sont de nationalité roumaine. Et que la quatrième personne blessée est d'une autre nationalité. Bozoyo Kandenge, ce qui est Mokunzi, Oyo chargé des affaires extérieures et étrangères, ya Roumanie a déclaré que Oyo Likambo et Salemaki Nabango, Batunabango, Bakoufa qui sur le sol congolais, lors de l'attaque au Salemaki samedi, et comprenez que ce qui Batouana Bazo Koufa Bango, c'est-à-dire Bitumba, Eza au sérieux. Il y a le front. Oyo ba FRDC bazo sala o eza sérieux. Bitumba oyo bazo sala mukolo ya lelo eza bitumba oyo. Vous n'avez aucune idée de tout ce qui se passe dans l'est du pays. Vous n'avez aucune idée na oyo ba FRDC bazo pesa. Bazo bunda sérieusement. Aujourd'hui l'ennemi parce que ebele boyebi ebele soki tozolo ba bongo bazo kanisa ke no ate eza ndenge biso toza musika boye eza musika te. Retenez aujourd'hui que les FRDC Bazali kolo ya ba M23. Ba FRDC lelo bazana makoki sur le M23. Ba M23 lisusu bazana force te ndenge bazalaki. Même si on dit on compte aujourd'hui bisika bazali, bazali sous misika ebelete. Et nous demandons à l'armée congolaise de continuer comme ça. Tozo senga na bakonzi ya armée ba continuer bongo. Si la sérieuxité oyo bazo tia lelo bazaki ko tia ngo il y a 2 mois passé. Soki sérieuxité oyo lelo to bandi ko mona armée bandi ko pesa biso. Soki bazaki ko tia ngo il y a une année passé. Mais le bitumba si la kala. Mais le bitumba si la kala. Mais le bitumba oyo yo kamakate lisusu. Mais la rébellion di M23 si comme il passé. Mais l'armée rwandaise sur le sol congolais, mais les yoka makalisu souté. Et tout ce que nous vous demandons aujourd'hui, tout ce que le peuple congolais demande au FRDC aujourd'hui, c'est de continuer avec cet élan. C'est de continuer na makasi oyo. Et ça, qu'on continue na force oyo bozotia mukolo walelo. Voilà donc les informations qui étaient à notre possession au jour d'aujourd'hui, dames et messieurs. Nous vous disons merci de votre fidélité.
À retenir aussi que le président de la République après Pretoria, il est arrivé hier soir à Lubumbashi. Dans le cadre de Misala Kaka, le président Félix Antoine Tshisekedi a commis Lubumbashi. Mais bana STP bazo déclaré le lot et que quand est-ce que le président viendra visiter le déplacé de guerre à Mugunga, quand est-ce qu'il viendra palper la doigts, palper moko réalité à Makambozo le cas à l'est de la République démocratique du Congo, et que le lot bazo estimé qu'il est important que Mokonzi Mboka akoma à Goma, akoma sur les lignes de front pour voir comment est-ce que ako palper vérité yemo kwatala yango boni makambo ezo salema dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci donc, c'est la fin de cette émission, les dames et messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité. Voilà donc les informations qui étaient à notre possession au jour d'aujourd'hui. Nous vous disons merci de votre fidélité. On espère se rencontrer encore demain pour d'autres actualités. J'étais Youssouf Kibingila David. Je reste disponible au plus 243 993 46 71 93. Merci les dames et messieurs et bonne journée à vous, à demain pour d'autres actualités.